Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie de Jim Parks. Comment allez-vous tous? On va... je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on a une campagne à préparer. Ah, il a dû essayer de m'appeler. Le 12 à 23h, ouais, c'est ça. Il a essayé de m'appeler, mais je lui ai pas répondu. Et Trainor a essayé de m'appeler aujourd'hui à 20h30. Je peux le rappeler normalement. Bah, je pouvais pas jusque-là. Tu vas regarder les affiches de campagne. C'est maintenant. Hop là. On va appeler Neige éventuellement si elle est là. Jim. Et bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Qu'est-ce qui se prépare? Comment? Qu'est-ce que? Pourquoi? J'ai pas vu s'il y avait un planning. J'ai peut-être raté. Pour l'instant, et apparemment, selon le planning, il y a deux rendez-vous de prix. Fallait que j'aille checker ça. J'ai essayé d'avoir Martel au téléphone pour savoir ce qui. J'allais l'appeler en lui disant « Alors, tu votes pour qui ?» mais faut que je vois aussi le... Comment ça s'appelle ? Le planning de notre campagne... Justement, je le cherche. Il est pas sur les gouves, j'ai l'impression. Ah, si, c'est ça. Si, il est quelque part dans le gouffre. Il est juste au-dessus. On peut l'épingler peut-être. Donc, on a Taxi et Darnell. Ok. Ce soir à 20h30. Darnell Bros. Ce soir à 20h30, c'était il y a 30 minutes. Hein. Ouais. Du coup. je sais pas. J'espère que c'est une erreur. J'espère que c'est une erreur également, parce que si un truc qui a été pris et que juste ça a été... Pardon. Est-ce que tout le monde a fait son... Personne n'a marqué ses disponibilités, on est d'accord? Disponibilité, non, effectivement. Pourquoi? Voilà. Peut-être que Yael n'a pas l'expérience de ça et que du coup elle a juste fait toute seule comme elle pouvait. Ouais, mais elle l'aurait dit quand même s'il y avait eu un rendez-vous auquel elle pouvait pas être. Je pense, hein, sur les canaux. Je pense, oui. Je pense aussi. Je sais pas pourquoi il y a écrit Darnell Bros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais checker l'historique et je vais voir quand est-ce que ça a été écrit. Parce que si ça correspond pas au temps de campagne, bah c'est une coquille. Où c'est l'historique? Données, format, insertion, affichage, addition. Putain, c'est où l'historique? C'est une bonne question, je sais jamais exactement. Je sais que ça existe, mais je sais plus où c'est. Si, c'est tout en haut à... Attends, ça doit être ça. Oui. Là où il y a toutes les personnes qui sont sur le document actuellement, juste à droite. Dernière modification, il y a une seconde. C'est moi. Ok. Ça a été fait le 13 mai à 15h12. C'est aujourd'hui, ça. 30, elle était... Elle est pas là, on est d'accord. Alors, Yael et Joseph. Joseph y est? Je sais pas, je demande. Pourquoi c'est rajouté par deux personnes? Ou c'est les gens qui étaient sur le document à ce moment-là? Je sais pas. Yael pas dispo lundi soir, mardi soir, samedi soir, dimanche soir. De 17h30 au lendemain 13h30. Ok, donc je vais faire ça. Je vais créer un bidule qui montre les disponibilités. Hop, moi je ferme ça. Moi je suis dispo, comme j'avais dit. Idéalement, faudrait me dire si c'est plus pratique que je sois là l'après-midi ou le soir. Je peux faire l'un ou l'autre sans souci, mais c'est l'un ou l'autre. Et salut Lily, salut Altair, comment allez-vous? Donc de 17h30 au lendemain 13h30, ça veut dire donc lundi, mardi,
lundi, mardi, samedi, dimanche. Ok, donc. Je sais pas si, si Yael a pu rappeler Trainor, mais j'ai vu qu'il m'avait envoyé deux appels là il y a 30 lundi, minutes, donc je vais le rappeler aussi. 17h30, on prend la couleur, on colorie. Mardi, même chose. Je vais pas parler, je vais parler sans parler, c'est ça. Mercredi, elle est dispo tout le temps. Oh, je vais parler sans parler. Pareil. Bah, ça va. Tac. En pleine samedi, forme. Jusqu'à 17h30. Je crois que j'avais appuyé par mégarde sur le bouton de mon téléphone. J'ai Trainor qui m'a appelé il y a 30 minutes, donc je vais aussi essayer de le rappeler. Je sais pas si Yael a pu le contacter ou pas. Non, avant. Non, on n'a pas le temps. C'est pour ça qu'on est tombé sur les Eleni, on est en mode Alléluia! Des médecins, des anciens médecins en tout cas. Ok. Oui, puis il est plus médecin, Polan? Non. Enzo non plus. Enzo, je le connais pas trop, mais. Ok. Il était psy, il était responsable psy Polan quand on était à la mairie avec Ellie, et du coup son point de vue est important et intéressant aussi sur ce qui est psy libéraux. Yes, ça marche. Il est intéressant pour beaucoup de choses. Oui. Bah, et puis il a beaucoup d'expérience, il connaît le métier, il sait comment ça se passe et tout, mais. Mais ça fait partie des personnes que je voulais interroger. Alors bon, il est plus responsable, donc il faudra interroger le responsable actuel, mais ça reste un point de vue intéressant. Alors dispo lundi soir, mercredi après. T'as des horaires spécifiques pour soir Bah globalement, soit c'est 15h, 18-19h, soit c'est 21h minuit. Mais en fait, ça dépend surtout. S'il y a des rendez-vous, il faut que je sois. Ou c'est mieux que je sois, il vaut mieux que je me cale par rapport à eux. Et sinon, si on peut faire aussi par défaut, s'il n'y a personne à ces dates-là et qu'il y a des rendez-vous, bah, faut que j'y sois. Du coup. Oui. Lundi soir. Donc on va dire que tu es dispo là maintenant. Tac, on met le petit bidule de couleur. Mardi, t'es pas dispo. Mercredi soir, tu es dispo. À partir de quelle heure, t'as dit? Bah, du coup, soit 15h10, 9h, allez. Soit 21h, minuit. 15h, 19h, 21h, minuit, c'est au choix ou c'est les deux? C'est au choix, oui. Oh merde. Bah oui. Comment je le mets dans le planning? Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je disais, ça dépend. En vrai, c'est pour ça que ça dépend. Yael, ah ouais, non, elle est pas là du tout ce soir. Non. Bah, idéalement, on prend les rendez-vous sans faire avec mes disponibilités. Et par contre, une fois que les rendez-vous sont pris, on calera mes disponibilités en fonction des besoins. Ok, tu t'occuperas de mettre les couleurs Oui, mais comment tu superposes des couleurs? Bah, j'allais le faire, les deux. À part couper la case en deux. Non, mais tu mets une couleur supplémentaire. Ah oui, d'accord. Genre bleu. Ok. Ok. Et là, ce que tu as mis en vert, c'est toutes ces vraies dispos? Elle va être dispo tout ce temps-là ou alors elle va être dispo dans ces plages-là? Dans ces plages-là, ce que je regarde là, c'est en fonction de ce qu'elle a écrit. Pas dispo lundi soir, mardi soir, samedi soir, dimanche soir, et pas dispo vendredi de midi à 16. Ok. Ok, je dirais vendredi, autant que je sois là l'après-midi, du coup, je pense, vu que elle va pas être là. On va mettre ça comme ça pour le moment, on changera s'il faut. Mais du coup, hop. Ah non, raté. Que tu veux que je te rejoigne? On peut se voir pour faire. Mais je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Je sais pas ce qui est prévu. Je sais pas. Le truc c'est que comme j'ai pas vu Yael, je sais pas exactement. Ce qu'elle veut en termes de prise
de rendez-vous, s'il y a des horaires qu'elle préfère, s'il y a des gens qu'il faut voir plus que d'autres. Alors oui, ça, elle a dit plutôt le sud que le nord, parce qu'on a déjà vu le nord. Faut qu'on se cale aussi sur si on voit les groupes criminels ou pas, tout ça. On peut appeler les avocats et leur dire de s'en occuper. Soussan et comment dire, il a dit s'il y a besoin de pousser les criminels à se bouger le cul. Ok, il est prêt à faire campagne pour nous du coup. En gros, ouais. Ok. Parce que ras-le-bol du système. Ok, bah pas de soucis. Moi, ça me dérange pas qu'ils m'appellent non plus, mais je serai pas très dispo, donc c'est peut-être pas le meilleur plan de leur donner. Non plus cet espoir là. S'ils essaient de m'appeler et qu'ils m'ont jamais, je suis pas sûr que ce soit très bien pour la campagne. Mais on peut, oui, on peut passer par lui du coup au maximum. Après, est-ce qu'il connaît, il travaille avec tous les groupes ou il travaille plus avec certains que d'autres? Parce qu'il y en a peut-être. Il semble qu'il travaille avec à peu près une grosse partie des groupes, d'après ce que j'ai compris. Donc. Peut-être qu'il travaille moins avec ceux que Hopkins et Brennan. Avec qui Hopkins et Brennan sont en lien, mais il me semble que les criminels, ils font pas trop de. Ils ouais, choisissent leur. Je pense que les criminels. En d'efficacité et pas ouais. En fonction d'où ils viennent. Je pense qu'ils s'en foutent un peu, mais il y a peut-être des criminels par contre qui choisissent pas d'avocat et qui laissent faire la justice en mode bah, de toute façon, on s'en fout. C'était plus ça. Il y a peut-être des groupes qui seront pas touchés et du coup, ça vaut peut-être le coup. De s'y intéresser ou pas d'ailleurs. Ouais. Bon, donc faut. Tu es où là? Je suis en ville. Je suis en ville. Je suis à la Fuente. Bah on va pas se donner rendez-vous là-bas, mais on peut se retrouver sur le chemin. Sur le chemin à côté. Bah on peut se voir. Non, non. De toute façon, là, j'arrive en ville. Tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Ouais. 72-96, le. C'est un petit parking au-dessus de Glory, ouais. Yes, let's go. À toutes. Ça marche, à toute. Non, reviens. Ok. Trainor il répond plus, il va peut-être me rappeler, il est peut-être sur une inter, il est peut-être sur un. 3406. Allô? Et bonjour Jim Parks, vous avez tenté de me joindre. Oui, bonjour, Kent Anderson, Darnell Bros, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Juste reconfirmer avec vous lors du rendez-vous pour votre visite à Darnell. Je peux regarder ça parce que moi je vous avoue que je viens tout juste de sortir de chez moi. En fait on a deux informations contradictoires, on en a une qui nous dit ce soir à 20h30 donc du coup ouais. C'est compliqué. Et oui. On en a une deuxième qui nous dit demain 15h30. C'est compliqué dans les deux cas. Je me renseigne auprès de la personne qui a pris le rendez-vous et je reviens vers vous juste après. Vous êtes encore là un moment? Ouais, y a pas de souci. Ok. Et ben je vous rappelle. Merci à vous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est compliqué cette histoire, c'est le. Il y a que deux rendez-vous qui sont pris et le deuxième c'est le rendez-vous taxi. Donovan Martel est emmerdé parce qu'il a un truc dans le programme de l'autre qu'il aime bien. Bah oui, forcément, dis, c'est normal, mais. C'est bien, mais en fait, mec, nous, eux, ils ont un système qui leur plaît déjà, donc ils vont pas le changer. Nous, on veut faire changer le système, mais ça veut pas dire qu'on va pas parler des autres trucs et qu'on va pas faire autre chose à côté.
Et que Je vais en parler avec lui. voilà, après, s'il veut voter à ASAP encore une fois pour que ça mette 8 ans à se mettre en place, il n'hésite pas. Mais nous, en fait, on voit le truc, on le fait. Hein. C'est pas pour se tourner les pouces pendant 8 ans, contrairement à ASAP. J'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un, j'ai pas noté son Oui. nom, de Darnell, qui voulait reconfirmer le rendez-vous parce qu'il a une information contradictoire. Il me dit que c'est soit ce soir à 20h30, soit demain à 15h30. Sauf que demain à 15h30, c'est les taxis, ce soir à 20h30, c'est ce qui est noté, mais c'est passé. Donc j'ai dit que je me renseignais auprès de la personne qui avait pris le rendez-vous. J'espère qu'il y a une des deux personnes qui va me répondre du coup. Mais voilà, faut le rappeler absolument. Envie de faire tout ça. Oh là là là. Ok. Donovan, tu l'avais au téléphone juste là? Ouais, mais il est occupé, donc on a parlé vite fait. Donc j'ai pas pu trop lui. Mais je lui ai dit, mec, ton idée, tu nous la donnes, on la fait. Hein. Il n'y a pas de souci. Ton idée de mieux représenter les artistes et mieux les payer, etc. Ah oui, c'est le statut d'artiste, c'est ça? Oui, le statut d'artiste. Et nous, on travaillait, on a été voir le gouvernement avec Nico Zilman. On lui a dit, regarde, tu peux changer ça pour ce qui est de la comment ça s'appelle? La propriété intellectuelle. Il l'a toujours pas fait, c'est 3 lignes. Oui, non, mais oui, mais ça, on en a plein des exemples comme ça. Donc, s'il veut vraiment faire que voter que pour ce qui lui plaît là et fuck les autres, bah qu'il a bien niqué sa mère. J'en ai ras le cul. Bande d'égoïstes, ça me saoule. Bah, surtout qu'en soi, les artistes et les indépendants, on est d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut du Mais statut d'artiste? Qu'est-ce que ça va apporter? on a dit qu'on allait se pencher sur les indépendants. Bah oui. Donc en soi, c'est totalement inscriptible au programme. Enfin, on peut l'englober dans le programme. On travaille aussi pour améliorer la vie des indépendants en général. Putain, mais enfin, évidemment qu'on va s'occuper de ça. Enfin, oui, mais c'est dans le programme, donc c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Pas forcément mieux. Les gens comprennent rien, ça me saoule. On te dit, on travaille aussi pour améliorer la vie des indépendants en général. On a discuté avec le gouv l'autre jour d'une loi pour la propriété intellectuelle. C'était 3 lignes. Rien de plus, rien de moins. C'est largement validable. Mais. Pareil, hein, j'ai plus l'exemple exact en tête, mais Drake qui nous avait dit qu'il avait parlé d'une loi qui allait pas, qu'il y avait juste un mot à changer et qu'il l'avait jamais fait au bout d'un mois, donc ça c'est. Ça fait plus d'un mois que ça n'a pas été fait. Ça a toujours été comme ça avec En train de regarder parce qu'il y a un arrêté qui est passé dans le nord pour dire que Ah les mais si salaires je parle de ce changeaient et il a pas dit parti, si c'est ça que je dis ça a montait ou toujours si été c'était comme ça. ça. Est-ce que c'est pas pris comme quelque chose qui date il y a trop longtemps? Bah c'est encore comme ça actuellement en fait. Si c'est Ouais. toujours, enfin c'est Ouais. un fait établi. C'est enfin un fait établi. Un fait qu'on établit nous. À chaque fois qu'on propose un truc à ZAP, ça dure des plombes et quand c'est fait. Pareil, hein, j'ai parlé d'un truc.
parlé d'un truc à Davis, il m'a dit « Oh, c'est intéressant ça, faudrait que je me penche dessus. » Enfin, je vais me pencher dessus, je sais plus comment il m'a sorti ça. Mais il m'a dit que c'était intéressant. Sa fin de mandat est dans une semaine, ça m'étonnerait qu'il sorte quoi que ce soit là-dessus. C'était quand la dernière fois que Blaine avait affiché des tarifs? C'est compliqué cette histoire. Tu sais si les payes des mairies étaient... Ah là. Prochaine semaine. 475. Sur l'écoute et Joseph a l'air de dire que c'est ce soir pour Darnell. Faut qu'on attende la réponse de Yaël. Je vais regarder si éventuellement elle a posté par rapport à ça, mais je ne crois pas. Ok, et ben faudra qu'on remette une deuxième date dans ces cas-là si elle confirme ça. Sachant que Darnell, de mémoire, quand j'y avais été la dernière fois, je sais plus pourquoi, je sais plus si c'était pour les gouffres d'Archer ou les municipales, je crois que c'est les municipales, ils étaient. Il y avait des gens intéressés. Oui, bah, ça change. Après, c'est pas parce qu'il y a trois personnes intéressées ou même une personne intéressée que toute l'entreprise est intéressée, mais au moins, gens qui posent des questions, qui s'intéressent. Alors, du coup, je l'ai envoyé à Donovan, puisqu'il est occupé, pour te dire, on travaille aussi pour améliorer la vie des indépendants en général. On a discuté avec le Gouv l'autre jour d'une loi pour la propriété intellectuelle. C'est trois lignes, rien de plus, rien de moins. C'est largement validable, mais force est de constater que ça n'a pas été fait. Un juge nous a fait la remontée qu'il y avait une loi, il n'y avait qu'un mot à changer, ça fait plus d'un mois que ça n'a pas été fait. Ça a toujours été comme ça avec ce parti, est-ce qu'on veut continuer sur cette lancée ou est-ce qu'on se sort les doigts avec des gens qui font pas de promesses dans le vent ? Une fois que le statut d'artiste est géré, s'il l'est, comment on s'assure que tout le reste des 12 prochaines semaines sera basé sur l'écoute plutôt que le dédain de la population sur l'intégralité des autres sujets ? À toi de voir. Mais moi, je promets, comme j'ai toujours fait, nous sommes là pour faire avancer les choses, oser le changement, oser avancer. Nous sommes le meilleur choix, pas que pour les artistes. N'hésite pas à discuter avec nos candidats, tu verras qu'on est tous pour avancer avec les gens. À un moment donné. D'habitude, sur les autres campagnes, je me retiens, mais là, je me retiens plus. C'est la dernière que je veux faire. Qu'on arrête de se dire « Oh, c'est dangereux de parler comme ça, on sait jamais, on pourrait être mal vu. Merde. » Ouais, de toute façon, on perd. De toute façon, alors, oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon,
n'obtient pas les postes, ça sert à rien de faire dans le politiquement correct. Hein. J'ai mis un smile à la fin de mon pavé. Ah, quand même, ça adoucit le tout. t'avais mis un message. C'est dans un temps confirmé que t'avais mis un message par rapport au programme et aux choses à donner. Oui, c'est ça. Je vais le voir parce que moi, si je dois en parler, il y a des trucs sur lesquels je suis pas au point forcément. Hein. Ceux où j'ai rien mis, typiquement. Et il y a un ou deux trucs où j'ai des questions. Donc, je te propose qu'on en parle aussi deux minutes au cas où. Excuse-moi, j'étais en train de lire ce qu'il y avait dans le. Bon, c'est une hausse de $75. Oui, leur première réforme à la mer Nord, c'est de s'augmenter de $75 du quart d'heure. Ah bah, quand tu viens aux zombies, ça fait une différence de salaire. Ah bah ça, le mec, j'ai plein un plat aux as. Bref. L'hypocrisie. Ouais, ouais, bah après, bref. Après, il a peut-être fait avec des... Ah, bref, peu importe. Ceci dit, ça pourra être un point sur lequel on pourra s'appuyer, c'est de dire que Azap, ils placent des gens, leur première réforme dans un endroit où l'argent est dur à récupérer, c'est de s'augmenter, et c'est le premier truc qu'ils font. Et de pas communiquer dessus, surtout, de dire « Ah, on augmente !» D'accord. Ouais, on sait pas pourquoi, parce qu'il a peut-être des bonnes raisons, hein. Peut-être que, je sais pas, il estime que c'est pour payer ses salariés, qu'il faut qu'ils soient payés un minimum décemment, je sais rien. Mieux payé en mairie, j'ai aucun souci. Hein. Juste, t'arrives, tu augmentes tes salaires et tu dis pas pourquoi. Bon. Mec. Priorité absolue de protection et de service de la population de Sant'Andreas. Ouais. Bah en vrai, alors la protection, c'est déjà ce que fait la police. Du coup, pour moi, il faut tourner ça autour du service et de dire que c'est important que protéger et servir. Que la police, ouais. Après, c'est la devise du LSPD, hein, pas de. Bah oui, bah, ça sera la autres. Devise de tout le monde, du coup. Mais voilà, c'est important de dire que. Que le but de la police, c'est pas seulement de réprimer, mais c'est aussi de servir la population et qu'ils ont le droit d'être courtois, par exemple. Par contre, faut faire attention. Enfin, alors, selon comment on le tourne, on peut se mettre tous les FDO à dos. Parce que si on dit les policiers, c'est pour ça que j'ai bien fait gaffe à ce que j'ai écrit, mais si on dit c'est honteux quand on entend des policiers, enfin des gens dire que les policiers ils font tout pour faire monter le conflit entre les criminels plutôt que de discuter gentiment. Bah, si tu dis ça, t'es sûr d'avoir tous les FDO à dos en mode ils sont contre nous. Bah non, moi ça c'est en fait c'est une politique de sécurité, c'est pour dire ce que nous on veut. Donc si on discute avec la police et qu'on discute de ça. Non, c'est juste que si vous nous reprochez que c'est déjà ce qui est fait ou que c'est déjà la devise du LSPD ou quoi, d'accord, ben ça veut dire qu'on est d'accord entre nous, y a pas de souci. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que pour nous, la police doit servir et protéger la population. Servir, c'est-à-dire être courtois, discuter avec les gens qui en ont besoin, s'ils demandent de l'aide pour des choses pour lesquelles la police peut faire des choses. Et qu'ils ne soient pas forcément à courir partout que contre les criminels. Oui, puis mais ça ne veut pas dire que les gens disent que vous ne faites pas votre travail. C'est juste que c'est dans la politique de sécurité. C'est tout. Okay, et ça va être tout con, hein, mais il y a quelqu'un qui a l'air sur le côté de la route, pas forcément accidenté, mais peut-être en panne. Pour moi, une voiture de police qui passe à côté, elle s'arrête au minimum à son niveau pour voir si tout va bien. Hein. Et c'est déjà fait par tous les services de police. Probablement. Je sais pas, j'ai plus de vision là-dessus, mais probablement. J'espère. Désescalade de toute situation qui se prête à la discussion plutôt qu'aux violences. Oui, Tommy. Ça va? On est en 72-96. Oui, c'est juste à côté.
À tout de suite. Pas plus simple. Tu disais, excuse-moi. Les escalades de toute situation prête à la discussion, qui prête à la discussion plutôt qu'aux violences, bah ça c'est pareil en fait, c'est l'idée de dire le but c'est pas de mettre tarif aux gens qui font des bêtises, c'est d'appliquer la proportionnalité. On est d'accord là-dessus? J'envoie un... Faut que j'appelle Liv, vite fait. Ouais. Ah, je parle. Salut. Salut Jim. Oh, mon effet que t'as s'arrête. Merci. C'est la plus belle. Ouais, j'appelle Liv vite fait. Liv. Aïe, Beaucoup Liv, je te dérange pas. De quoi? Je t'appelle parce qu'il y a une petite coquille dans Wazzle News sur. Il y en a deux en fait. Enfin, ouais, bon, vas-y. Sur l'annonce des campagnes gouvernementales. Il écrit les candidats annoncés auront jusqu'au dimanche 29 mai. C'est le dimanche 19 mai. Et mon nom, il est bien écrit sur le Discord, voilà. Mais il est mal écrit sur l'article. Juste Cano. Le téléphone, j'ai regardé, il n'y a pas de... C'est écrit 19. Oh non, il est écrit pareil sur les deux. Bon, je vais aller vérifier, mais j'ai vu ça il y a 10 minutes. Pas de soucis, bon courage. RKS, ouais. Oh bah, c'est écrit bien sur les deux. Ils l'ont peut-être vu en temps, non? Bah non. Non, non, si tu ouvres sur le site, il y a bien... Ah, sur le site, putain, je crois que tu parlais de l'application. Ah oui, sur le site. Attends, je le rappelle. Ah oui, c'est écrit avec un C, effectivement. Il y a une autre coquille. Et tu peux les remercier pour l'hommage à Bat, en disant « Nous battons B-A-T-O-N-S ». Wazzle, sur le site, dans l'article qui est lié, Parks, c'est avec un C que c'est écrit, alors que c'est censé être avec un K. Voilà. Après, il y a peut-être un troisième candidat. Jimmy dit, si ça se trouve, il y a peut-être un troisième candidat. Ah, il y a une autre Madame Lequet, il y a un Monsieur Park, c'est écrit avec un C, ça se trouve. Ouais, l'interview. Alors, moi, faut pas compter sur moi. Ah, déjà, des Parks semaine, avec un K, il y en a un paquet, alors. À partir de demain. C'est vrai. Ça va être très compliqué, je pense, d'avoir une campagne habituelle, puisque y a une bonne partie de la population qui sera pas là. C'est vrai que le contexte donc, est pas terrible, en plus, pour la campagne, parce que il y a 21 voix yes. qui est... Alors, faudra voir ça avec Jim pas hyper intéressé parce que... et Yael. J'y vais pas. Ça dans les canaux. Donc je m'en fous un peu de la date. Paf, mais on m'a dit que la date était à peu près. Et à boire, ça tombe bien. J'ai bu. Les deux. J'ai dû boire à ce moment-là. Jim. J'ai un fond d'eau. Mais oui, 21 voix tombent au Bataclan, du coup, sur le moment des élections à peu près. Je sais pas exactement comment ça marche, comment ça tombe, mais globalement, du coup, vous avez la ça va enlever pas mal de joueurs qui du coup vont aller pas jouer parce qu'ils potentiellement vont potentiellement pour vous rencontrer prendre plutôt que juste l'interview. Des trains, des avions, des hôtels. Je pense. Hein. Tac. Ok, bah c'est partagé. Pas de soucis. T'hésite pas si t'as quoi que ce soit avant ce soir, parce qu'après moi je suis plus là. Voilà, je prends l'avion pour Paris. Ouais. Oui. J'ai préparé mon petit costume bleu, mon chapeau. tout ça ça marche, des bisous. Yael, elle dit bah c'est sur le planning, oui mais en fait mais c'est pas là.
Si j'avais su, je me serais levé. Toc toc toc, l'alarme et tout, où est-ce qu'on ira quand on en... Ah non, mais le 10 mai. M'a fait peur là. Non, Ah la oui, dernière news, Wesa oui. News. Putain, mode, comment ça fait, viens. Non, s'il vous plaît, non. Ah ouais, s'il vous plaît, non. J'ai pas réussi à rappeler Trenor d'ailleurs. Je sais pas s'il était Il était occupé sur un truc. Oui, vas-y. Ouais, là, tout ce qui est planning, drive et tout. Moi, j'y ai pas accès, je crois. Je sais pas où. Ça a été posé sur le. Ah oui, calendrier de campagne, ici. Ok. Et oui, c'est ça. J'ai fait que t'aies accès au canal, mais oui. Ok, donc pour l'instant on a que les taxis et Darnell. Mais ouais, mais Darnell, du coup c'est passé. C'est passé. Faudrait que j'aie Néo pour savoir ce qu'il veut pour les journalistes. Peu importe ce qu'il demande, de toute façon, je peux ce que je peux lui promettre. En général. Est-ce que vous allez subventionner les journalistes? Bon, là, ça, on verra en fonction de la trésorerie, mais on n'a aucune raison de ne pas le faire, vu qu'on l'a toujours fait. En vrai... Attends, le truc qui avait été par Elliot... Non, pas par Elliot. Avant. Je sais plus qui c'est. Non, c'est, bah, c'est toi, je crois, Neige. Pour nos idées, ouais, non, je retrouve plus. Je sais plus où il est, lui. Il y a eu trop de trucs qui ont été publiés. Repasser dans lequel on a tous écrit avec chacun une couleur. Oui, c'est le. Je sais plus où il est. Il est dans confirmé un tout petit peu au-dessus. C'est le deuxième lien. Confirmé. Oui, dans confirmé. De toute façon, soit c'est dans confirmé, soit c'est dans Google. Bah ouais, mais j'ai remonté les deux et j'ai pas assez remonté confirmé. Ouais, et le deuxième. Voilà. Là, aujourd'hui à minuit, j'étais clairement couché, donc j'ai ouais. Hop. Toc toc toc. Ouais. Sur ce truc-là, il y a certains points. Oui, mais justement, j'ai mis mes trucs. Je voulais refaire un retour dessus parce que moi, il y a des points que j'aborderai pas facilement. Du coup, c'est mieux d'avoir un. Avis de gens qui ont participé à l'écriture aussi directement pour savoir de quoi il s'agit exactement. Donc on peut refaire un tour rapide, on avait juste commencé quand t'es arrivé de toute façon. Priorité absolue de protection et de service à la population des états de Saint-Andreas. Bon, ça c'est pour dire la police elle arrête des gens et elle protège mais elle fait aussi du service, elle aide la population, ouais. Désescalade de toute situation qui se prête à la discussion plutôt qu'aux violences. J'ai vu que tu avais rajouté la justice aussi. C'est quoi que tu appelles la justice La justice, c'est les juges et les procureurs, mais c'est par l'application de la loi. Donc, c'est-à-dire qu'ils appliquent la loi qui est écrite par le gouvernement. C'est-à-dire que si on doit désescalader. Il y a des accords aussi, ouais. Et que ça puisse aussi peut-être bénéficier le BE d'avoir des accords qui sont tenus plutôt qu'avoir un juge qui dit non, bosh. C'est ça, notamment. Et puis, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Ah non, c'était avec Yael que quand je l'ai écrit ce truc. C'était pas avec toi, Nash. Mais dans le. Je crois que c'est dans Gouv mai 2024 que je l'ai mis. Ouais. Ce message là sur la proposition de loi et sur la circonstance atténuante de pour plaider coupable. Remonte au 11.05. Ah oui. Oui, avec une histoire de négociation et tout. Mais de toute façon, on peut.
Actuellement, le procureur peut prendre. Et Non, je sais pas absolument pas. exactement comment ça a été. Absolument C'est pas. fini, le procureur peut plus prendre de décision du tout. Il peut plus prendre de décision du tout. Ok. Il a aucun pouvoir. Il a aucun pouvoir de décision. Le procureur, c'est un avocat à charge. L'avocat. Enfin, l'avocat, c'est la défense. Le procureur, c'est l'attaque. Et c'est le seul truc. Et là, l'intérêt de cette proposition que je mets, c'est de permettre au procureur de prendre une décision avec l'accord de la défense. C'est-à-dire que si les deux sont d'accord, ça ne va même pas au juge, tu vois. Oui, bah c'est le principe de l'accord à l'amiable qui existe actuellement C'est dans les ça. lois. Même C'est si ça, c'est pas mais. tout. Enfin, sauf que si c'est du pénal, c'est un peu différent. Parce que l'accord à l'amiable, c'est plutôt pour pas porter plainte, là. C'est ça, l'accord à l'amiable, c'est entre guillemets, je retire ma plainte. Là, c'est carrément entre un organisme de l'État et une autre personne. Et puis, c'est. L'intérêt, c'est aussi d'avoir un procureur qui dit bah, moi, je vous propose, si vous me donnez des informations sur cette affaire-là, bah, je vous mets moi sur celle-là. Et puis, derrière, nous, on va enquêter sur l'affaire dont je vous ai demandé des informations. Tu vois, c'est ça l'intérêt. Oui, c'est d'échanger des informations contre des C'est ça. réductions de peine. C'est ça, c'est ça. On peut. Est-ce qu'on introduit la notion de réduction de peine ou est-ce qu'on le passe en circonstances atténuantes? Non, c'est même pas une question de réduction de peine, c'est une question de le procureur propose De réduire la une peine? amende, non mais propose une amende de son choix. Donc imaginons, je sais pas, il faut un truc concret. Hop, voilà. On prend Bah des amendes. mettons qu'on soit sur trafic d'armes, par Un exemple. délit majeur. C'est bien Agression trafic armée. d'armes. Ouais. Je sais plus où il est. Je vous laisse sur la. Monsieur Paulan. Et rebonsoir. Mais le truc c'est que trafic d'armes, je sais plus où il est, tu vois. Il y a un champ Transaction recherche illégale dans un incroyable. commerce d'armes, ça te va? Trafic d'armes, Voilà. 150 000. 150 000, ah, c'est un crime. C'est un crime, oui. Tu veux pas un crime? Non, c'est juste que j'avais ouvert le premier, que c'était des lignes majeures que j'avais ouvert. Trafic de biens illégaux, trafic d'armes, 150 000. Bah, tu vois, par exemple, le procureur, il n'a pas beaucoup d'éléments. Il propose au type, il avoue, et il donne des infos sur où est-ce qu'il s'est fourni les armes, machin. En échange, bah, il lui met une amende, je sais pas, propose 50 000 ou même 25 000, j'en sais rien, il propose un truc. Et c'est. Il peut pas proposer plus que 150 000, parce que évidemment, Oui, c'est bien sûr. au-delà de. Mais il a tout à fait le droit de mettre moins que l'amende. Mais de toute façon, le procureur, il n'a pas le pouvoir de décision, il a que le pouvoir de proposer un accord, et si l'accord est accepté, bah, de l'autre côté, ou même d'accepter un accord proposé par la défense. Mais du coup, faut quand même passer par un juge pour valider l'accord? Non, non, c'est ça ma proposition justement. Oui, Que d'accord. le juge, il n'interfère même pas. Et en fait, l'intérêt de ne pas avoir à passer par un juge, c'est que le procureur, il puisse dire au criminel, si vous acceptez, ça se fait. Et il n'y a même pas, c'est vous avez le décisionnaire devant vous. Ouais. Bah comme Voilà, c'est ça se ça le truc. faisait il y a fort longtemps. C'est ça, sauf que Bah c'est plus possible, ouais. l'intérêt, c'est que le procureur, il puisse prendre cette décision que si la défense est d'accord. Ouais. Et c'est pas. Oui, Joseph. Oui, Ah, bonjour bonjour. Jim, comment ça va? Ça va et toi? Ah, écoute, tranquillement, tranquillement. Ça fait quoi là du coup? On est en 72-96, on parle du programme. Est-ce que tu veux passer? Ouais, je vais passer. Eh ben nickel, c'est le petit parking au-dessus de Glory Way. Ouais. En dessous du dépôt des lavements. 72-96. Juste en dessous des taxis et du casino, ouais. D'accord. C'est bon, je vois. Ça marche. Eh ben, à Et là, toute. à tout de suite. Ouais, ok, donc c'est de dire que il passe enfin, un contrat tacite, hein, ils vont rien signer, mais C'est ça. qu'il Ah passe un si. contrat, enfin, C'est. si ils vont signer un truc. C'est signer une décision de justice. Bah Enfin, on peut le faire en vrai, on peut le faire sans ça, en mais fait, c'est. il faudra quand même que le juge Non. le Bah non, c'est l'intérêt du. Non, c'est l'intérêt du texte. Si le texte de loi donne ce pouvoir au procureur et que. Mais il y aura la signature de l'accusé, tu vois, du coup. Alors, je dis pas qu'il faut que le juge dise oui ou non, puisque l'idée c'est qu'il dise oui, c'est tout. Mais il faut quand même qu'il valide que ça soit légal, en fait. Faut quand même qu'il y ait un regard du juge
Bah, juste, il a juste besoin de voir le papier, mais il regarde le papier et il vérifie quand même que la proposition soit légale. Parce que par exemple. Mais c'est le boulot du procureur, c'est de connaître les lois, tu vois. Ouais, mais par exemple. Oui, oui, mais alors. Cet objectif, c'est de vérifier que l'accord. Mais pour moi, il faut quand même mettre des règles, notamment pas pouvoir descendre en dessous de la minimale. Et si le procureur est descendu en dessous de la minimale. C'est pas légal. Ça, c'est à voir avec nous. Et puis, on peut faire ça différemment, tu vois. Un accord qui a été décidé, on peut pas revenir dessus. Ouais. Mais si le procureur, il va à l'encontre des règles, par exemple, il met en dessous de la minimale, il se prend une amende administrative ou il se prend une sanction, il est suspendu pendant 3 jours, je sais pas, tu vois, ce genre de conneries, mais des sanctions internes. Et donc, on peut faire un papier où le papier il est envoyé au bureau du juge qui le relie et vérifie que c'était bien légal, mais où sur le moment le bureau du juge ne peut même pas après coup dire. Oui non mais ça on est d'accord. Alors on est d'accord que le juge faut pas qu'il puisse dire finalement on fait autre chose. C'est ça. Une fois que c'est dit, on est d'accord. Mais c'était plus plus une vérification derrière. Ah ouais, mais c'est une bonne idée effectivement. Mais bonsoir quand même. Ouais, bonsoir, ouais. Salut Joseph. Plutôt Monsieur Parnasse, mais ouais. C'est une question qui a aucun rapport. Est-ce que t'as envoyé des messages genre à groupe 6, des trucs comme ça pour. Je viens d'arriver. J'ai rien envoyé. Ouais, on s'est vu avec Neige ensuite. Il est arrivé juste derrière et t'es arrivé là encore. Parce que je sais qu'elle voulait prioriser les entreprises du Sud étant donné qu'on a fait le Nord. Pendant la municipale, il n'y a pas longtemps. J'ai eu Darnell, faut que je les rappelle, parce qu'il ne savait plus quelle c'était la date entre les deux, ce qui est très étrange parce que c'est pile les deux dates qu'on a. Et il faudra qu'on refixe une autre date, du coup, puisque. Monsieur Parnasse. En vrai. Exactement la même blague. On va peut-être gagner des voix. Hein. Exactement la même. Alors, quand on sait que le maire du Nord il s'augmente alors qu'il est en déficit. Ouais, ça me fume de rire par contre. Que la première semaine. Première mesure. Non, mais pire que la première semaine du mois, qui est donc la semaine où la taxe d'habitation elle rentre. Et qu'elle soit en négatif et que lui. Non, on n'est pas la première semaine, on est la deuxième. Semaine. Oui, non, mais. Il y a quelques rattrapages. La deuxième, mais il y a eu. Si tu regardes, la semaine qu'il a passée, c'est pas la première semaine du mois, c'est la seconde semaine du mois. C'est du 6 au 12. C'est ça. Et du coup, les gens ont pu payer du 1 au 5. Alors, ils ont pu payer du 6 au 7 aussi, mais. Mais si tu regardes celle du 1 au 5, il est aussi en défi. Ah oui, mais il a payé. Alors, c'est normal, il a payé des primes exceptionnelles avant de partir. Ouais, alors parlons pas du LSES. Enfin, du. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des primes exceptionnelles qui avaient été payées au sud aussi, mais c'est une autre histoire. On n'est pas là pour parler de ça. Le truc, c'est que même s'il n'y avait pas les primes exceptionnelles, il était quand même en déficit. J'ai eu Paulan au téléphone. Ouais. Il a le plus gros du travail qui est fait pour ses affiches. Je vous propose qu'on regarde ensemble. Ouais. Yes, ça. Parce que là, de toute façon, notre campagne, elle va surtout se faire sur les médias et pas sur. Bah oui. Pour le front. Mais en attendant, est-ce que ce serait pas bien que Jim envoie des messages d'entreprise aux entreprises du Sud qui n'ont pas encore été contactées, genre G6, le Black Cat. Qui c'est qu'on n'a pas contacté ? Le Black Cat, je te le dis déjà, à part si t'es d'accord, ils nous verront pas. Ouais, non, mais c'est par principe, tu vois. Ouais. Par principe, t'envoies un message et puis c'est comme le zombie car la dernière fois, tu vois. On n'a pas beaucoup d'espoir, mais. G6, moi je les avais vus municipal. Ah non, mais G6, oui. Mais... Et si je passe par Balbo, il y a peut-être moyen. Et là, globalement, il y a le Bénis, G6, Evolt, le Black Cat et Ron. Evolt, il n'y aura pas trop de soucis non plus, je pense. On a parlé un peu avec